Depuis le splendide palais de la résidence à Würzburg jusqu'à l'exceptionnelle cathédrale à Ulm au bord du Danube, nous avons cheminé en ce mois de septembre 2014 à travers une partie de la Bavière dans le véritable musée du Moyen-Âge à ciel ouvert qu'est Rothenburg, la cité médiévale de Ratisbonne, les palais et églises reflétant l'âge d'or au 15e et 16e siècle d'Augsbourg, sans oublier Munich, sa vibrante capitale, qui fait toutefois l'objet d'un traitement filmographique distinct. À Würzburg, le magnifique château baroque construit par Balthasar Neumann entre 1720 et 1744 fut la résidence des princes-évêques. Le monumental escalier d'honneur est un chef-d'œuvre de Neumann. La gigantesque fresque de 600 mètres carrés décorant les voûtes est l'œuvre du Vénitien Tiepolo. Elle représente l'hommage des quatre continents au prince-évêque. Ici s'allient différentes variétés de marbre, les dorures et les couleurs chaudes des fresques. Depuis les terrasses du jardin et leurs rampes majestueuses, vues sur la façade de 167 mètres de la résidence. Chef-d'œuvre de l'architecture allemande des XIe et XIIe siècles, Saint-Kilian est l'une des plus grandes églises romanes d'Allemagne. Thank you.
Contre les piliers de la grande nef sont adossés les tombeaux des princes-évêques. Dans la nouvelle cathédrale, les décorations tranchent avec la sobriété de l'ensemble. Dans la crypte, le tombeau de Saint Kilian, patron de la Franconie. Place du marché s'érige la maison du Faucon à la façade rococo datant de 1752. Dans la chapelle Sainte-Marie, l'on peut voir la Vierge en argent datant de 1680. L'hôtel de ville a été érigé au XIIIe siècle. Le vieux pont sur le Main, construit entre 1473 et 1543, a été enrichi vers 1730 de 12 monumentales statues en grès. Nuitée au Würzburghof et dîner au Juliusspital, Weinstube est réputée. Les princes-évêques ont résidé dans cette citadelle qui domine la rive gauche du Main de 1253 à 1719. Depuis le Jardin des Princes, belle vue sur la ville et la résidence. Dans les salles de l'ancien arsenal sont exposés l'art et l'artisanat de la région.
Les salles voûtées abritent l'orfèvrerie religieuse et les collections d'art populaire franconien. Dans l'ancien cellier sont exposés de vieux pressoirs. À proximité de Würzburg, le château de Weitschesheim, érigé à la fin du XVIIe siècle, est entouré d'un parc qui bénéficia de l'attention particulière des princes-évêques qui n'ont cessé de l'embellir au XVIIIe siècle dans le style rococo. Quelques 200 statues égayent les allées de Tilleul, les charmilles, les berceaux et cabinets de verdure. Au milieu du grand lac se dresse le groupe du Parnasse avec Pégase, les Muses et Apollon. Sorte de folie avec un bestiaire en coquillage. L'église Saint-Vitus, dont partie date du XIIIe siècle, s'érige près du château. Dîner au Weinhaus zum Stachel, Weinstube traditionnelle remontant au XVe siècle, et balade nocturne. Arrivée à Bad Mergentheim et visite du château des chevaliers de l'ordre teutonique, édifié au XIIe siècle. L'église du château. Arme du grand maître Maximilien d'Autriche. À Weikersheim, le château fut élevé entre 1580 et 1680 au bord de la Tauber. Avec l'interdiction absurde de filmer et de photographier, juste quelques images dérobées, quelquefois à travers des lucarnes, pour montrer la splendeur de la salle des chevaliers. Le parc est peuplé de statues caricaturales.
le pavillon ajouré de l'orangerie. Arrivé à Rothenburg, où l'on se promène en plein Moyen-Âge. L'hôtel de ville, dont la partie donnant sur le Marktplatz est de style Renaissance, comprend également une partie gothique avec son pignon coiffé d'un beffroi du XIVe siècle. Série d'enseignes à travers la ville. Les origines de l'église Saint-Jacques remontent à 1311. Dans le cœur ouest, le splendide retable de Tilman Riemenschneider, dit du 500, date de 1504. Le parc du château, dont il ne reste rien, offre une vue sur le quartier du Spital. Au Burgtor, l'on remarque le masque grimaçant, destiné à déverser un flot d'huile bouillante sur les assaillants. Temps fort de la visite de Rothenburg que la balade effectuée avec le veilleur de nuit, que l'on pourra retrouver en bonus à la fin des présentes. Da gab es 4,5 Eimer Wein. Um es genauer zu sagen, 3,5 Eimer guten und einen Eimer schlichten Wein. Was tat man mit dem schlichten Wein wohl? Nun, den gab's. Genau. Zum Schluss, da merkte man's eh nicht mehr. Erst den guten, dann den schlichten. Ein Rothenburger Eimer fasste 71,6 Liter. Nuitée au romantique hôtel Markusturm. En cette nouvelle journée, montée au beffroi de l'hôtel de ville. Les remparts et leurs tours élevées au XIIIe et XIVe siècle ont été entièrement conservés. Thank you.
Le Plönlein, formé par la fourche de deux rues, dont l'une mène au Sieberturm, datant du XIVe siècle. Saint-Wolfgang, église gothique fortifiée de la fin du XVe siècle, est incorporée à la barbacane, doublant les défenses de la porte avec casemate et chemin de ronde. Le musée de la justice au Moyen Âge se situe dans l'ancienne commanderie des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Carapace d'enfermement pour femmes. Masque d'humiliation publique. Masque du bourreau. Et ce qui devait arriver, arriva. L'église des Franciscains, avec son jubé en bois, est décorée de belles sculptures des 15e et 16e siècles. Les salles voûtées de l'hôtel de ville abritent des scènes de la vie à Rothenburg lors de la guerre de 30 ans. Cette maison Renaissance est ornée des statues représentant les sept vertus cardinales et les sept péchés capitaux. Dîner à l'hôtel Marcus Thurm et dernière promenade à Rothenburg. Arrivé à Ratisbonne, au bord du Danube. Ancien hôtel de ville avec son charmant oriel. L'édification de la cathédrale Saint-Pierre a commencé en 1260 et fut achevée vers 1525. Les flèches ne furent toutefois ajoutées qu'au XIXe siècle. Remarquable maître-autel baroque en argent et cuivre doré. Le trésor renferme des objets cultuels, des reliquaires et parements d'autel des XIe au XVIIIe siècle. Dans le cloître, dont la galerie centrale est pavée de pierres tombales, se trouve la chapelle de tous les saints.
Ancienne abbatiale d'un monastère bénédictin fondé au 8e siècle, la basilique Saint-Emeran a été baroquisée par les frères Assam. Franz von Taxis avait créé le système postal européen au XVe siècle et ses descendants conservèrent le monopole jusqu'en 1812, lorsqu'il leur fut retiré et qu'ils reçurent entre autres compensations les bâtiments de l'ancienne abbaye Saint-Emeran qu'ils transformèrent fastueusement. Les lieux sont toujours habités par la famille princière Thurn und Taxis. L'ancienne basilique Notre-Dame de l'époque carolingienne a été complètement transformée au XVIIIe siècle dans le style rococo. Dîner d'un petit anka au Ratskeller. Après quelques jours passés à Munich, arrivé à Augsbourg. La grande basilique fut fondée en 1474 et mêle une architecture de style gothique tardif à des aménagements Renaissance et baroque. La chapelle de Saint-Saint-Perth présente un balcon surmonté de statues de saints et un large baldaquin gothique. Thank you.
L'hôtel de ville, bâti entre 1615 et 1620, a été entièrement reconstruit à l'identique après d'importants dommages en 1944. La salle dorée est célèbre pour la magnificence de ses peintures murales et de son plafond à caissons recouvert de feuilles d'or. La famille Mozart a passé par là. Cette cité doit son nom à Fugger le Riche, qui la fonda dès 1519 pour abriter les habitants nécessiteux de la ville. Elle comprend 66 coquettes maisons et possède une église et ses propres services administratifs. Elle reçoit encore, comme au XVIe siècle, les citoyens dans le besoin contre un loyer symbolique et l'obligation morale de prier pour les fondateurs. Toujours la famille Mozart. Intérieur tel qu'au XVIe siècle. Les moines de ce couvent, fondé au XIVe siècle, accueillirent Luther en 1518. L'église devint protestante en 1525. Fondée au IXe siècle en faveur de Marie, la cathédrale fut remaniée au XIVe siècle dans le style gothique. Les autels de la nef sont de tableaux de Hans Holbein l'Ancien. Les vitraux du XIIe siècle sont les plus vieux d'Allemagne.
Le palais Schätzler abrite une vaste salle des fêtes avec stucs et fresques rococo qui a vu danser Marie-Antoinette dans sa prime jeunesse. La galerie de peinture présente les œuvres des maîtres suaves et augsbourgeois des 15e et 16e siècles, dont Holbein l'Ancien et Albrecht Dürer, ainsi que des œuvres de Van Dyck, Tiepolo et Véronèse. Arrivé à Ulm, important centre urbain au Moyen Âge pour notre dernière nuitée du voyage. La cathédrale darde sa flèche de 161 mètres, la plus haute du monde. Avec ses 26 mètres, c'est le tabernacle le plus haut d'Allemagne, ciselé dans le calcaire et le grès, entre 1460 et 1480. Splendide stall dû à Jörg Sierlin l'Ancien, avec des bustes, grandeur nature. Élégant bâtiment gothique et renaissance à pignons ajourés et murs peints. L'horloge astronomique. Le Fischkasten, fontaine où les pêcheurs autrefois rafraîchissaient leurs prises. Les ruelles qui longent le canal Blau aux maisons à colombages sont pittoresques. La maison de Guingois date du 15e siècle. Dernière promenade sur les remparts vers la tour des Bouchers de 1349, inclinée à plus de 2 mètres de la verticale et qui voit le terme de notre périple. Man sich dann doch nicht zurück. Da gab es 4,5 Eimer Wein. Um es genauer zu sagen, 3,5 Eimer guten und einen Eimer schlichten Wein. Was tat man mit dem schlichten Wein wohl? Nun, den gab's. Genau. Zum Schluss. Da merkte man's eh nicht mehr. Erst den guten, dann den schlichten. Ein Rotenburger Eimer fasste 71,6 Liter. Das konntet ihr ja nicht ahnen. Vielleicht habt ihr schon gedacht,
Es würde knapp werden. Aber mitnichten. Über 320 Liter Wein. 57 Lohn. Also so 5,5 Liter pro Kopf im Schnitt hat man schon gebraucht, um das ganze Zeug runterzuspülen, was es da zum Essen gab. Und gedauert hat's nicht lang. Von mittags bis ins nächste Morgengrauen. Man hat sich zügig durchgefressen. Kaum zu glauben. Solche Mengen zu bewältigen in der kurzen Zeit erscheint aus heutiger Sicht unmöglich. Ging früher aber schon. Denn die Razzien waren stattliche Erscheinungen. Man könnte auch sagen, dick und rund. Da passte was rein. In so ein Razzien. Die waren das gute Essen eh gewohnt. Denn die Razzien wussten schon von den Römern, wie das geht, wenn's nicht mehr geht. Mit der Gänse- oder Reiherfeder. Woher auch das Reihen kommt, hat man sich's wieder rausgeholt, wenn man nichts mehr reinbrachte. Eine alte Tischmanier, die heutzutage ganz in Vergessenheit geraten ist. Immer schon in Mengen Federn bereit für den Notfall. Notfall war immer dann, wenn nichts mehr reinging und der nächste Gang kam schon. Man wollte doch von all den Speisen kosten. Bis zum Schluss mithalten. Half gar nichts mehr, griff man zur Feder. Erhob sich von dem Platz, an dem man saß, und ging zum nächsten Zimmer.